Bon, Pierre Ambroise, excuse-moi pour la blague, mais t'es vraiment le boss ? Pas du tout. Je le serai jamais, ça se trouve. Le boss, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait vraiment une belle course aujourd'hui. J'ai fait techniquement tout ce qu'il fallait. Borzakowski attaque au dernier 200 comme je m'y attendais. J'avais les cannes pour le suivre et tout se passe bien au final. Les autres déboulent pas derrière et par orgueil, je gagne la course exprès pour me mettre en confiance vraiment, peut-être pour lui donner quelque part un coup à Borza, voilà. On verra. On va pas dire que c'est la course parfaite, c'est pour demain la course parfaite. Et celle-ci, quand même, je pense que c'est la celle de référence pour l'instant dans ta carrière. Ça fait partie des courses de référence. C'est clair que je suis jeune, j'apprends à chaque course. Là, c'était un autre palier pour moi, les championnats d'Europe senior. C'est ma première sélection senior, donc c'est des courses que j'ai jamais courues. J'avais pas l'habitude de ça, et à mon avis, la finale va se courir pareil. Voilà, on verra ce que ça donne, si j'ai du jus ou pas. Enfin, donc, t'as couru avec Borza. Alors. Ah bah alors c'est génial, ouais, c'est clair que quand on regarde à la télé le mec qui dépasse les autres au dernier 200, on se dit putain ça doit faire mal. Finalement quand on y est, bon c'est pas le Borza de 2004, c'est le Borza de 2012, c'est clair que c'est pas le même, il est pas aussi perçant, mais c'est génial de le voir passer comme ça et de pouvoir tenir. Ouais. Tu as vu les autres courses, donc l'Espagnol qui court tactique, le Néerlandais qui a l'énergie, donc tu vois qui demain sur le podium, mis à part toi? Attends, on n'a pas commencé encore. Non, ben je sais pas. Ça dépend de comment ils vont récupérer leur forme du moment. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas le Britannique qui a mené la série et la demi. Je le vois pas sur le podium. J'en suis persuadé. Il a une 45-80, une 46 en demi tout seul, les deux courses. Je le vois pas gagner ni sur le podium. Borzakowski, ce ne sera pas faire. Les autres non plus. J'ai vu qu'ils pouvaient courir très vite dans la deuxième partie de la course et on verra. En tout cas, j'irai à fond comme d'hab. Merci, c'est cool. Ciao. Paul, forcément déçu, j'imagine. Ouais, dégoûté. Dégoûté même. Ah ouais. Je suis hyper bien. Physiquement, j'ai des jambes de feu. Je reviens sur les gars, mais je suis trop loin, quoi. Je suis mal placé. Autant hier, c'était super tactiquement, autant aujourd'hui, c'est zéro, quoi. Bah, je me sors à peu près bien, je me sors au 200, mais même c'est trop tard, quoi. Faut que je sois plus devant au début de la course. Je suis déçu parce qu'il y avait une place en finale vraiment accessible, quoi. Tu savais qu'il fallait courir vite dans cette dernière série? Ouais, et puis c'est pas parti. Je me suis senti... J'étais au couloir 3 à l'intérieur, il y a tous les mecs qui se rabattent sur moi. Et après, jusqu'au 500, j'arrive pas à me décaler. Je suis tout le temps bloqué, je fais vraiment un écart au 200. Je me recule limite pour repasser derrière. Et je finis super bien, je finis 4. À une demi-seconde du premier, donc... beaucoup de regrets, quoi. Voilà. C'est parti vite, on dirait. T'as pas forcément une tactique de course pour toi qui aime bien les courses lentes et tu peux passer à la fin ton accélération? Comme on a pu le voir, c'était une course pas vraiment tactique. Donc dès le début, j'ai pas eu de super sensations. On voit que c'est une course qui est vachement suffisamment à ma portée pour accéder en finale. Malheureusement, il en fallait 6 qui passent à la trappe, je suis parti 2. Je suis déçu, mais. Et voilà, c'est des expériences à haut niveau comme ça qui j'espère vont me servir pour la suite de la saison. Bon courage. Merci en tout cas, merci bien.